café de la vérité. Nous sommes encore avec Mario. Donc, Mario avait des questions, et une de ses questions aujourd'hui, que je trouve très importante, c'était les signes qui prouvent que nous sommes à la fin des temps. Mario? Oui? J'ai sorti 12 points. Correct. Qui va répondre à ta question. OK. Il n'y a qu'un, c'est trop facile. Je vais apprendre ça un peu plus compliqué. Ah, OK. Bien compris. En l'année 70, les Romains ont chassé les Juifs de leur terre, ont détruit le deuxième temple. OK. Et c'était prédit dans Ésaïe 11-14 okay. que les Juifs, à un moment donné, reviendraient dans leur pays, mais en volant. En volant? En volant. Et imagine-toi, là, on est 800, entre 800 et 900 ans avant Jésus-Christ. Dans ce temps-là, les seules choses qui volaient... C'était les oiseaux. Exact, puis les moustiques. OK. Ah oh non, les maringouins, il y en avait dans ce temps-là aussi. OK. OK. Donc, c'est les deux seules choses. Et, en 1947, il y a eu de quoi qui a été signé. Les Juifs pouvaient revenir sur leur terre. Okay. Et en 1948, pour la première fois, le drapeau israélite a été okay. mis en place. Okay. Et comment ils sont revenus? En volant. En avion. OK. En avion. Okay. Donc ça, c'est le principal des signes. Okay. Eux ne reviennent pas, toutes les autres ne sont pas bons. Okay. OK. C'est le signe qui nous prouve que... Parce que je dis, cette génération ne passera pas. Ils sont revenus en 48. Une génération, normalement, dans la Bible, c'est entre 70 et 80 ans. OK. Donc, si tu calcules, ça veut dire que Jésus devrait revenir en 28-29. OK. OK? Oui. Le deuxième signe, qui est bien, bien facile aussi à voir, que les présidents, les premiers ministres d'à peu près chaque pays ne gênent pas pour le dire, okay. c'est le New World Order. Donc, le gouvernement mondial. OK. Le gouvernement mondial, tu as eu des gens comme Obama en a parlé, Bush en a parlé, Macron en a parlé, Sarkozy en a parlé, Trudeau en parle, c'est tout, même Poutine en parle, le président chinois en parle, puis okay. il aimerait bien être le peuple au contrôle de tout ça, là, mm-hmm. mais il en parle. Et l'agenda 2030. C'est quoi ça? C'est l'agenda, c'est ça, c'est que en 2030, là, t'as plus le droit d'avoir d'auto, t'as plus rien, tu sais, les agendas, eux autres, en 2030, là, t'es plus rien, là. Okay. Comment tu dis, tout ce qu'on avait, on va le perdre. C'est ça. OK. Même nos maisons. Même nos maisons. Okay. L'agenda 2030 qui a été signé par 192 pays. Il y en a 195 de reconnus à l'ONU. OK. OK. Donc, le New World Order. OK. L'autre chose, c'est la religion. Une religion unique. OK. Le pape, avec d'autres, des musulmans, bouddhistes... Et nommez-en, là, il okay. y a une quinzaine, là. OK. Ils ont formé une nouvelle religion où maintenant Jésus n'existe plus. La seule chose qui existe, c'est l'amour. Si tu aimes ton voisin, tu vas être sauvé, tu vas être correct. Ah ouais. OK? OK. Donc Jésus est venu sur terre, il est venu mourir pour rien. Okay? Fait sur terre. Ouais. Et voilà. L'autre point qui est très important, qu'on entend parler beaucoup, c'est l'argent numérique, c'est le crypto-monnaie. C'est quoi ça? C'est qu'au lieu d'avoir 20$, ouais. ben il va falloir que, au début, ça va probablement être une genre, comme ta carte de Libye, tu vas pas rien payer. OK. OK, tu n'auras plus d'argent liquide sur toi. OK. Il y a même des endroits présentement où ce que tu payes juste avec ta figure. Okay. Tu mets ta figure devant un écran, et ça sort de ton compte. Ah, OK. OK? Fait qu'on est rendu loin. OK. Donc, dans Apocalypse 13-16, ça dit, nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête.
dans sa main droite ou sur le front. Mais si on n'accepte pas le signe de la bête, arrive quoi? Tu ne pourrais plus acheter. Puis tu ne pourrais plus vendre. OK. Puis si tu as manqué l'enlèvement, bien ceux qui vont manquer l'enlèvement puis qui vont refuser d'adorer la bête, puis qui vont reconnaître que Jésus était bien sauveur, mais ils vont devoir payer de l'UV aussi. Là. Ah, OK. Parce que le temps de la grâce va être terminé et là, on va être sur la grâce et les œuvres. OK. OK. Donc, malheureusement, mais au moins heureusement, tu vas être mieux de mourir puis venir nous rejoindre au ciel. OK. OK. L'autre point important, c'est la reconstruction du temple. Donc, le troisième temple. OK. On entend parler beaucoup. Ils sont prêts et ils disent qu'en l'espace de 6 à 12 mois, ils peuvent le reconstruire. OK. Donc, ils sont très prêts. Tout ce qu'ils ont besoin pour offrir les sacrifices, tout ça, ils l'ont déjà. Et ils ont aussi les vaches rousses pour sanctifier, parce que l'endroit où le temple va devoir être construit, il faut que ça soit sanctifié. Ça prend des vaches rousses. Mais parfait. Il ne faut pas qu'il y ait plus qu'un poil. OK. Il n'y en avait pas. Et là, ils en ont trouvé 5. OK. Ils les ont pris où? Ils viennent des États-Unis. Ah! C'est un éleveur aux États-Unis. Il y en avait 5 parfaites. Puis qu'ils les ont envoyés en Israël. Okay. Et là, donc, ils sont rendus en Israël. Et la vache, elle doit pas avoir plus que tel âge. OK. Donc, ils n'ont pas grand temps là, pour sanctifier, là. Donc, la construction du temple est pour très, très bientôt. OK. Et ça, la vache rousse, on trouve ça dans Nombre 19 et le verset 3. OK. On a aussi dans Daniel 12:4 qui nous parle de l'augmentation de la connaissance. C'est quoi ça? Si on recule dans le temps de mon grand-père, moi, qui était au début du 19e siècle, hein, okay. Et puis Charles Repère, puis... comparé avec les chars qu'on a aujourd'hui. Mmh, oui, c'est ça. Hein? Les avions qui volent aujourd'hui, qui ne volaient pas dans ce temps-là. Ouais. Les télévisions. Mmh, dans ce là il n'y a rien que la radio, à cette heure, on a l'image. Oui. Puis ils sont tout petits. Puis, les premiers télés, c'était immense. Quasiment des meubles. Oui, c'était des meubles. OK. Ensuite de ça, on voit les ordinateurs. Oui. Hein? Le téléphone avant, ça prenait un fil, là. Oui. Hein? Ça en a deux coups, c'est à toi, ça en a trois coups, c'est un autre. Mais à ça, on a chacun un ordinateur dans nos poches. Wow. Parce que les téléphones aujourd'hui servent d'ordinateur. OK. Donc, tu vois que la connaissance a augmenté et le gouvernement mondial a besoin de cette augmentation de la connaissance pour contrôler le monde. Parce que tantôt, là, ton argent, là, ouais. Tu fais pas ce que veulent, on tient ton compte. OK. Tu peux pas rien faire, tu iras t'ostiner avec un ordinateur. Ouais, c'est vrai. Hein? T'arriveras pas. Puis là, si t'écoutes pas au bout de deux, trois fois, ben ils vont dire, regarde, on vide ton compte. OK. OK? Donc, l'augmentation de la connaissance. L'autre partie, on va trouver ça dans Matthieu 24, Marc 13 ou Luc 21, qui nous parle de guerre. De bruit de guerre, qui parle de gens dans les pays même qui vont faire, qui vont se contester, qui vont. Hein? OK. On voit très bien aujourd'hui, on n'a jamais entendu parler autant de guerre. C'est vrai. Qui n'en parle là. C'est vrai. Et de guerre nucléaire. C'est vrai, ça, parce que Poutine, il passe son temps à dire Pout! Ben. De peser sur le piton. Ouais, mais là, tu sais, là, lui, il est là. Il veut aller récupérer de quoi? Puis là, tous les pays du monde se mettent contre lui, quasiment. Oui. Fait que là, ben, il dit, regarde, s'il n'y avait pas, moi, j'ai une arme pour vous assister. Ouais, mais hein? Si, mettons, il tire une arme nucléaire à l'Ukraine, tu sais. Ouais. Il va recevoir des radioactivités, lui aussi. Tout dépendant de la force. Ah, ouais? Ben oui, t'as des petites comme t'as des grosses. Ah, OK. Mais il y a une affaire. La Bible dit que Dieu va intervenir dans la Troisième Guerre mondiale. Ah! Qu'il y a 25% du monde qui va mourir, 25% des animaux et 25% de la végétation. Et que c'est Dieu qui va l'arrêter. Ah, OK. Ce qui va donner un autre défaite
à l'Antéchrist pour prendre le pouvoir, il va dire, regardez, ils sont venus enlever du monde. Là, les extraterrestres sont venus arrêter nos armes. Fait qu'il faut se réunir ensemble pour être capable de se défendre contre eux autres. Ah, OK. Hein? Oui, c'est vrai. Une autre chose, la famine. OK. La guerre entre l'Ukraine puis la Russie, c'est pourquoi? Le blé. C'est ça, créer une famine. Oui. On voit là, même, on voit ici là, que bien des étagères de des magasins sont vides. Oui. C'est pire en Europe, puis okay. C'est pire en Afrique. Là. OK. En Europe, là, il y en a qui ont les moyens de manger une fois par jour, là, présentement. OK. Puis j'ai entendu parler d'une femme l'autre fois, là, elle disait qu'elle chauffait sa maison 20 minutes par jour seulement. Ah ouais? Tout est rendu trop cher, là. OK. C'est ça, ou on mange pas du tout, ou on... Oui, oui. Donc, ils sont en train de créer la pire récession qu'il n'y a pas eu. OK. Parce que ça prend cette récession-là pour que les gens acceptent la crypto-monnaie et la famine aussi. Tu sais, là, admettons que tu serais papa de 2-3 petits bébés, là. Oui. Puis moi, je te dis, là, regarde, si tu n'acceptes pas de faire ce que je te dis, tu n'as pas de nourriture. Tu vas dire, ouais, c'est mes bébés, là. Ouais, mais je pense que je vais pas ce qu'ils disent. Ben, c'est ça, les négros qui vont se plier. Ouais. OK? Donc, tu sais, ça va être plus facile. En famine, c'est facile de contrôler le monde. Oui. OK? L'autre chose, le 9e point, c'est ce qui est devenu. Ce qui était bien est devenu mal, et ce qui était mal est devenu bien. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la vie qu'on a, c'est pas, c'est des mots que j'ai pas le droit de dire, là, on va se faire couper. OK. Mais si tu oses dire que sexualité, OK, c'est pas bien, OK, tu vas te faire ramasser. Ah ouais? Il y a quelqu'un qui est en prison. Oui. Parce que son enfant de 12 ans, vu de la se faire opérer, changer de sexe. Puis lui, il n'a pas voulu. Mais c'est normal. C'est pas normal de changer de sexe. Non, non, mais je veux dire que le parent dise non. Ben oui, mais regarde, ils n'ont plus le droit. Ce qui est bien est devenu mal. OK. Aujourd'hui, là, je vais te donner un exemple. Pas avec ton auto, tu recules, tu accroches quelqu'un. OK. OK? Mais il n'y a pas personne. Tu te sauves. Hey, là, t'as bien fait, hein, tu t'es sauvé. Dans le fond, c'est pas ça. Dans le fond, il fallait que t'arrêtes et tu dises, regarde, c'est moi qui l'ai fait, le dégât. OK. Mais là, tu vas passer pour un fou parce que tu t'es pas sauvé. T'as sauvé, il est devenu bon, mais prendre tes responsabilités, ils sont devenus mal. Ah, OK. OK? Tu le dis. L'apostasie. C'est quoi ça? L'apostasie, c'est justement, c'est du mal, c'est des choses que... qu'on ne doit pas faire, c'est renier Dieu. On regarde combien il y a d'églises qui adorent Satan maintenant qui sont devenues. Dans certaines églises supposées chrétiennes, on permet à des gens de même sexe de faire des choses, de les marier et tout, ce qu'on ne devrait pas, selon la parole de Dieu. OK. On permet même bien souvent à ces gens-là d'enseigner. Ce qu'ils ne devraient pas non plus, parce qu'ils disent pas de femmes. Hein? Il y a les femmes aussi qui enseignent. Pourtant, la Bible est bien claire là-dessus. Oui, c'est vrai. T'sais? Donc, l'apostasie est rentrée dans beaucoup d'églises. D'ailleurs, il y a des supposément églises évangéliques qui se sont affiliées avec la nouvelle religion mondiale. Ah ouais? C'est là qu'on est. C'est pour ça que, dans l'Apocalypse, la Bible dit, regarde, reste ferme. Vérifie ce qui est écrit. Ben oui. Tout le temps. Un autre point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, l'Évangile, elle est enseignée partout. Tu veux dire même en Afrique? Même en Afrique. OK. Même en Corée, où ce qu'en Corée, tu n'as pas le droit, il y a quand même des gens qui viennent au Seigneur. Ah, OK. OK? Oui. C'est sûr que là-bas, fais-toi pas poigner avec un bout de page de la Bible parce que tu perds la vie. Mais il y en a beaucoup. OK. Il y a beaucoup de nouveaux chrétiens dans des pays comme en Inde. OK. Puis pourtant,
T'es chrétien en Inde, il y a des grosses chances que tu ne vives pas longtemps. Oui, parce que c'est pas des bouddhistes, ça. Oui. Puis en Iran, là, tu feras pas 2 jours, là. Si tu fais 2 jours, t'es chanceux, là. Tu vas payer de ta vie. OK. OK? Parce que t'as pas le droit d'être catholique? Non, non, non. C'est musulman, là-bas, c'est rien. Ah, OK. OK? Donc, mais l'Évangile, elle est partout, maintenant. OK. Elle est traduite dans toutes les langues. Ça, je savais, là. OK. L'autre point, et le dernier que j'ai pour aujourd'hui, OK, c'est que beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à Jésus qui sont tués présentement. En 2020, il y en avait une moyenne de 13 par jour qui mouraient à cause du nom de Jésus. OK. Présentement, il y en a plus que ça. OK. OK, ça augmente tout le temps. Donc, ça aussi, c'est un autre signe que Dieu va revenir bientôt. OK. Maintenant, tu passes les 7 années de tribulation, ou sinon, tu reconnais tes pécheurs. Mm-hmm. Tu reconnais que Dieu a envoyé son Fils oui. sur la terre, oui. qui a été crucifié, oui. qui est mort sur oui. la croix, qui est ressuscité 3 jours après, oui. et tout ça à cause de que tu es pécheur. Je suis pécheur. Okay. J'ai reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui. Donc, je ne ferai pas partie de la colère de Dieu. Je vais partir avant que les grosses catastrophes okay. viennent sur terre. Okay. Donc, lorsque l'Église va être enlevée, il va rester 7 ans. Okay. Maintenant, aimes-tu mieux passer les 7 ans dans la guerre, dans la famine, dans toutes ces choses-là? Non. Ou partir avant? Partir avant. Si tu veux partir avant, Jésus est ton Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'il faut. Donc, il faut reconnaître Jésus qui est mort à la croix. Oui. Et à cause de lui, je suis pardonné de mes péchés. OK. Et voilà.